Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom, enfant de Dieu. Shalom, serviteur et servante de Dieu. Dieu nous a encore fait grâce d'être là ce matin, de nous réveiller dans sa présence, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle grâce! Père, au nom de ton Fils Jésus, et par la puissance du merveilleux Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, cet esprit qui nous fait crier « Abba », nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Nous ne voulons pas être des ingrats, Père. Ta faveur, ta grâce, ta puissance, ta miséricorde reposent constamment sur nous. Alors Père, que faire sinon te dire merci de tout notre cœur, de toutes nos âmes. Père, reçois notre action de grâce en ce matin. Merci pour tout Père. Merci de ce qu'en ce jour, tu nous parles encore. La parole déclare que le serviteur de l'Éternel Job était dans des situations extrêmes. Il a vécu des épreuves qu'on ne peut même pas imaginer. Mais dans tout cela, il a gardé la foi. Elle nous déclare que Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches, « Aie pitié de moi, aie pitié de moi, vous du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu lui-même? Ne serez-vous jamais rassasié de ma chair? Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier y se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. » Bien-aimé de Dieu, ce serviteur était dans des épreuves, il vivait des épreuves. Mais malgré tout cela, Job a pu déclarer que je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors je veux justement parler ce matin à quelqu'un qui vit dans des épreuves. Cette épreuve, Dieu le vit avec toi. Et je veux que tu déclares avec Job que je sais que mon Rédempteur est vivant. Tout dépend de ta foi, bien-aimé de Dieu. Si tu le crois, tu vivras cette épreuve avec Dieu et tu en ressortiras glorieux comme Job. Alors s'il te plaît, là où tu es, au fond de ton cœur, déclare, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je prie que Dieu nous soutienne dans ces épreuves, qu'il nous fortifie afin que nous puissions les vivre avec lui. Voilà pourquoi nous voulons élever ce cantique qui dira que Dieu est le soutien de mon cœur. Il est le soutien de mon cœur, celui en qui j'ai mis tout mon espoir, celui qui est vivant et qui va m'aider dans ce que je vis. Alléluia, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Nous lisons encore. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oui, Dieu est le soutien de ton cœur. Dieu est le soutien de ton âme. Dieu est ton soutien dans la situation que tu traverses actuellement. La difficulté que tu mènes dans ta vie de couple, ces épreuves que tu vis dans ton travail, ces épreuves que tu vis dans tous les aspects de ta vie, Dieu est le soutien. Il n'y a que lui qui peut te soutenir et qui peut t'aider à les traverser. Alors tu fais comme Job, bien-aimé de Dieu. Tu déclares dans la foi que malgré que tu es en train de vivre des situations difficiles, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le dernier mot appartient à mon Papa qui est dans les cieux. Je le vis dans la joie, dans la paix.
sachant qu'il est là avec moi et il le vit avec moi. Nous n'avons que Dieu. Que Dieu. Alléluia. Je n'ai que toi. Que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Nous disons à Dieu que nous n'avons que lui. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage. Soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien. Nous le déclarons encore. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien Seigneur. Près de toi je me sens bien. Seigneur, près de toi je me sens bien. Dans cette épreuve que je vis, près de toi je me sens bien. Avec toi je la vivrai Seigneur. Ce manque d'enfantement, cette stérilité, ce chômage, cette maladie, je la vivrai avec toi, Seigneur. Parce que je sais que c'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Toi seul as le dernier mot dans ma vie. Et ce que tu décides pour ma vie, c'est ce qui va s'accomplir. Et la parole dit que tu as un projet de bonheur et de paix pour moi. Me donner un avenir et de l'espérance. Et je le crois, Seigneur, je crois tellement en cette parole et je sais qu'elle va se manifester tôt ou tard. Alors je demeure dans la prière, j'attends dans la prière, dans l'action de grâce, parce que je sais que tu es vivant et que tu vas agir dans ma vie. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Bien-aimé, je te souhaite de passer une excellente journée dans la paix, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père.